J'ai un petit problème d'outillage. J'ai dû voilà, utiliser pas mal d'outils pour acheter des vaches. Et les vaches m'ont coûté tous mes outils. Donc bon, logiquement ça devrait se résoudre assez rapidement, parce que j'ai une production d'outils quand même suffisante. Et là je suis en train de renvoyer tous les outils qui étaient conservés là-dedans, les renvoyer dans le... Mais tout simplement à l'endroit où ils devraient être. C'est-à-dire dans les mains des gens. Voilà, donc ça c'est ce qui est en train de se passer là sous vos yeux ébahis. On a pas mal de main d'œuvre en trop, donc ça c'est cool. Et on va, je vais aussi donc du coup acheter des vaches. Et je suis en train voilà de d'aménager la pâture pour ces tendres animaux qui vont nous donner beaucoup de nourriture, je l'espère, parce que là clairement c'est on est en train de perdre une bonne partie de ce qu'on avait en nourriture. On avait pas mal de stock et là on a pas mal attaqué dedans, donc moi j'aimerais bien aussi voilà créer rapidement un bacalé can be made. Ah, il faut 2 lampes à huile et 9 cordes. Olives et blubber. Blubber, je sais pas ce que c'est. Je devrais regarder. Je sais manquer de ce que c'est. J'aimerais bien faire une petite abbaye, tiens. Alors, pas ici, bien évidemment, mais un truc un petit peu plus reculé, genre voilà, ici. Au bord de l'eau. On va essayer de se faire ça pour le fun. Alors, le teacher, il est toujours bien. D'ailleurs, l'école, elle en est où? 14 étudiants, ça va, elle est pas pleine encore. Allez là, récupérez vos outils, les amis. Ah mince. Ah, il faut tout couper. Il faut tout couper, c'est génial. Bon bah c'est pas grave. On n'a pas le choix, de toute façon. Parce qu'il y a une infestation, donc bah voilà. On se débarrasse des arbres. C'est bête, on va perdre pas mal d'années de production là. Il y a un marchand. Que nous propose-t-il? Des pigs. Ce serait cool. Euh, 85 90 95 92, je suis nul en maths hein. Trade. Voilà. Cool. Oui, j'ai eu un petit freeze, j'ai eu un petit peu peur. Mais non, tout va bien. Ah, les outils, c'est la... Attends, on a plein d'iron, mais je pense que l'iron est stocké vachement loin. Le temps que ça arrive, je devrais déplacer mon... Je vais déplacer ça pour le foutre là-bas. Globalement. Parce que là, je pense qu'il a du mal à produire. Parce que le temps que le fer lui arrive, le fer est stocké globalement en grande partie là-bas. Je devrais utiliser les stocks spécialisés. Profiter d'avoir voilà ce qu'on peut faire. Je vais faire une stockpile spécialisée genre juste à côté. On a pas mal de poulets là, c'est pas mal. Oh, il y en a un qui est noyé. Qui s'est noyé, quelle horreur. Quelle horreur. Là c'est pareil, on va reproduire du mouton parce que là on n'en produisait plus du tout. Ici on va pouvoir mettre nos Frisian Cows.
Du coup, on a besoin, hop, hop, et de 1, 2, 3. Voilà, 10 herdsmen. Tu vas avoir jusqu'à 21 vaches, là, c'est pas mal. Et je vais voir si à côté, je peux pas faire aussi une pâture pour les cochons. Tant qu'on y est. Voilà, juste à côté. Miner, ok. Deux qui sont morts d'accident, là. Allez, là, les outils, il faut que ça se fabrique plus vite. Il en fabrique, mais pas assez vite. Hein. C'est vraiment ça, le problème. Oh, les petites vaches chounettes. On va aussi... je vais aussi, voilà, créer... une crèmerie, juste à côté. Alors, c'est pas forcément la peine, là, tout de suite, mais on va déjà la construire. Oil press, bakery, sugar house... Je suis sûr que j'ai vu des crèmeries. Alors, où est-ce? Bakery, oil press... Ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. On a vu, c'est vraiment là-dedans. C'est juste moi qui sais pas lire. Apiary, oil press, hunting cabin, windmill, watermill, fishing dock... Pasture type, orchard type, crop field. Dairy, voilà. Tout simplement. Alors, si ça pouvait passer juste là, ce serait parfait. Ça passe. C'est parfait. Comme ça, on pourra créer du lait. Enfin, faire du lait. Quand on aura un peu plus de vaches, que le moment, on a 3 vaches adultes. À mon avis, elles vont pas. Enfin, ça va pas être la joie tout de suite, tout de suite. On a déjà. Voilà, là on est repassé, c'est bon, on est repassé au-dessus au niveau nourriture. C'est une bonne chose. Les outils, c'est pas encore la grande joie. Mais globalement. Qu'est-ce qu'il faut pour passer à une grande forge ? Il faut des briques. On va qu'on se mette à en produire aussi également. Pas mal d'objectifs encore, hein. Pas mal de choses à faire. Ce que j'aime bien dans ce mode, c'est que ça vous donne vraiment un nombre d'objectifs considérable. Par contre, si je commence à manquer de fer en plus, ça va pas aider ma crise. Voilà, les arbres poussent, forcément. Ah, j'ai perdu mon clair. Voilà, quand même important pour qu'il soit heureux. Bon, nous, on a plus que 20 sur... Oh là là, encore 20 plutôt, mais plus que, presque. Oh là là. Les poulets, ça fait un bruit de malade, on en a 37. Ça sera... L'avantage des poulets, c'est que ça se reproduit vachement vite par rapport aux autres animaux qui ont un processus reproductif beaucoup plus long. Non. Ah, un nouveau marchand. Que nous apportes-tu? Du coton, des lampes à huile. Des joists, ça m'intéresse. Ah mais ça coûte super cher. On va prendre aussi des lampes à huile. Ça contre de l'huile végétale. Sans 68.
Logiquement, sur 70, ça devrait le faire. Et une tomate pour la route. Voilà. Ah, c'est des candles, ça. On va prendre des candles aussi. Hop, 35. Moi, 32 alors. Ah, 33. 34. Trade. Super. Putain, mais il n'y a plus personne qui a des outils quoi dans ce monde, c'est terrible. J'ai du mal à... Ça va faire baisser ma productivité, ça c'est très très chiant. Même le mec qui fait les outils, il a plus d'outils quoi. Il allait s'en rechercher un. Je pense que je vais refaire un blacksmith. Au moins d'urgence. Hop là, alors. Blacksmith. Et cette fois-ci, je vais le mettre juste à côté de la mine, là ici. Juste en face même. Tac tac, Herdsman 10 sur 10 pour l'instant. Et en fait avec les joys, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer aussi, vous allez voir, ce qui m'intéressait, pourquoi j'ai pris des joists pour créer, il en faut 24, et je pense pas qu'on en ait 24 loin de là, on a 8, on est très loin. Ah, il faut du fer, il faut 32 de fer pour faire ça. Déjà, on va mettre du monde dans la mine de fer pour avoir plus de fer. Parce que bon, quand même... Pourquoi il est là-bas, lui? Non, mais pourquoi il nous fait un méga tour comme ça, en mode YOLO fuck, quoi, sérieusement? Ah là là, c'est la crise des outils. Ah bah là, on sait bien que t'as plus grand chose à... Ah, on a 4 vaches. Pigs. 17 cochons, on va pouvoir mettre là-dedans. Oui, bah je sais que Iron, c'est l'eau. Je fais ce que je peux, cher ami. Je vais refaire des crude tools pour l'instant, je pense. C'est-à-dire, ça sera un peu moins long à faire et ça me... m'évitera la faillite, peut-être. Est-ce qu'on est au niveau de la production de nourriture? On a repris... cheese, cream ou butter. Je pense qu'on va partir sur du fromage parce que c'est quand même la meilleure chose du monde, le fromage. Donc, on va faire un moine, le mec il doit s'emmerder dans son abbaye. Et dairy worker. Voilà. Bon, c'est pas mal. Ce serait bien qu'on se fasse un petit puits aussi par là. Ah, je me suis encore enlevé les jobs. Bon. Ça passe bien. Enfin, pour se faire du fromton et tout. 37, ça augmente en fait, là, plus que ça ne diminue.
Elle est là. Je pense qu'une fois que j'aurai construit ça, ça ira déjà beaucoup mieux. Raspberry seeds. Ah, là j'aurai jamais assez ce qu'il faut pour... C'est bête parce que c'est bon les framboises. Là je suis pas encore assez... Je produis pas encore assez de choses précieuses pour... En plus lui il prend pas les... Il prend pas mes trucs, il prend que... Il prend pas tout ce qui est alimentaire, j'ai l'impression. Donc c'est un peu chiant. 41, non mais faut arrêter les mecs là. Refaites-vous des outils quoi, il y a plus que ça à construire. En plus on en extrait du fer globalement 120 chandelles, sérieusement. J'en fabrique des chandelles il me semble. Combien j'en ai en stock des chandelles? ...223. Je suppose qu'il faut du fer aussi. 68 de pierre. Allez, on va faire ça. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir plus de fer. J'aurais pas dû faire ça maintenant, parce que là... ils vont juste me prendre les choses sans... Bon, j'ai toujours un... J'ai toujours un truc qui fonctionne au moins. Alors la bouffe, c'est pareil, là on a... Par contre on a bien repris. Malgré tout. Partir sur du 20 000. Alors on a... nos petits cochons qui sont là. Élevage en plein air, tout bio. Du fromage qu'on produit ici. On reste à la centaine d'habitants. On stagne un petit peu là sur sur la centaine d'habitants. Et là je veux vraiment résoudre cette crise avant de faire quoi que ce soit. Voilà, ça se construit. Je pense qu'ils vont chercher le fer là-bas en fait. J'espère qu'ils vont pas crever de froid dans l'hiver. Il y a plein d'iron, allez-y. Faites-vous plaisir. Ce serait bien que ce soit fait vite. Et les candles, j'en ai plein dans l'inventaire, hein, donc normalement c'est bon. 231, donc... Il n'y a aucune excuse, ça doit être fait. Je sais pas où elle se trouve, mais... Ça devrait être votre priorité, les amis. Non, on n'a plus de fer du tout. Alors, 4, on va remettre un blacksmith, et on va peut-être, on va même faire un truc, un putain de tunnel à travers la montagne. Alors, Silby was glass, flax. Tiens, du verre, pourquoi pas. Ah, et du coup, l'olive oil, j'en ai plus du tout. Du flax, ce serait cool, ça me permettrait de faire du... Là, c'est du sable, ouais, pour l'instant, même de la soie. Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Il est mort du rild pendant qu'elle donnait la vie. 60 personnes n'ont plus d'outils.
plein de personnes n'ont plus de fer. Allez, hop. Je sais pas si j'ai réglé cette ça vraiment de manière intelligente, mais... Forester, j'en ai plus beaucoup non plus. Apparemment, ça suffit. Current used. Ouais, il faudrait quand même refaire un petit peu de Forester. En tout cas, à voir où sont-ils. Je cherche le petit. Voilà, ici, est-ce qu'ils sont. Vite! Deepermine. Ah là, il faut carrément des lampes à huile. On va pas faire ça tout de suite. Papa, allez, fais-nous... Trouvez-nous du fer, les amis. Trouvez-nous du fer. On a besoin de vous. Pareil pour la stone, là, c'est pareil. C'est le gros, il reste plus rien, quoi. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Quand un truc comme ça vous arrive, vous savez jamais trop d'où ça vient et c'est la grosse galère pour redresser la barre. Parce que là-bas, il y a plein de fer, mais ils mettent trop de temps à y aller. S'il y avait le tunnel, ils mettraient beaucoup moins de temps à y aller. Et ça irait beaucoup mieux déjà. Sinon tout le monde va à la mine là, tout le monde va chercher du fer, parce que globalement on a un besoin cruel. Je suis vraiment désolé, je me débrouille pas très bien là sur cette partie. Je m'étais mieux débrouillé la première fois, enfin dans mes souvenirs. Enfin. Whale blubber. Ah, il faut aller pour les lampes à huile, apparemment il faut de l'huile de baleine. L'huile de graisse de baleine. Donc ça c'est, on n'est pas prêt d'en avoir tout de suite, croyez-moi. Product blueberry herb owl. Oh. Produit donc des blueberries. 60. En gros, je pense que toute ma population n'a pas d'outils, quoi. Là, on en est à peu près à ce niveau-là, je crois. Il va falloir prendre des mesures décisives. Les hunters, c'est pareil. J'ai plus grand-chose. Des reworkers, on est 1 sur 2. Je manque de main-d'œuvre en plus, là, clairement. Sont moyen contents les mecs là, je les comprends. On a plus de manteau non plus. Pourquoi on a plus de manteau? Parce qu'ils travaillent beaucoup plus lentement, bien évidemment. Bon, je vais être obligé de faire un truc qui va pas être cool. Voilà. Mais j'en ai absolument besoin. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai libéré tous les gens qui étaient à l'école pour qu'ils deviennent... voilà, pour qu'ils deviennent... ils sont pas éduqués, donc ils travaillent moins bien sur le long terme. Et là, sur le court terme, j'ai vraiment besoin de ça. Pour extraire du fer en blinde. Pour pouvoir me faire des outils. Sinon, jamais je m'en sortirai. Parce que là, enfin, regardez ça, enfin, tout le monde travaille sans outils, c'est plus possible, quoi. Et ceux qui y vont, ils crèvent de froid là-bas, parce que... On a vraiment besoin que tout le monde aille récupérer du fer.
Si lui, ils vendent des outils, mais non, ils vendent de la merde. Le brocoli seeds. Ah, mais lui, il prend de la vegetable oil. Ah, on pourrait faire... Tiens, ça m'intéresse. Je t'échange tout, mec. Alors, peut-être pas les manteaux, parce que j'en ai besoin, mais... Un bison, alors ça on s'en fout, ça on s'en fout, la mad, apple seed, bean seed. Ça va être un marchand cool ça. Je vais tout lui commander la prochaine fois qu'il repassera. Parce que là globalement on est dans une crise à... Ça on s'en fout parce que j'en ai déjà. Allez, 75, purée, sérieusement là. Il y en a plein du fer. C'est pas mal que ça baisse les outils là, sérieusement. Ce serait vraiment pas mal. Le marchand il s'est barré. Ça reste à 75, c'est-à-dire l'entièreté de ma population. Ah voilà, ça commence à baisser. Ça va rebaisser là, je pense. 67, voilà, fou. On va résoudre cette crise. Limite, les gens sont en train de s'agresser dans la rue pour avoir des outils. On en est à ce point-là, quoi. Faut qu'ils bossent plus vite, les mecs, hein. Ah bon, la pierre. Quand tout le monde aura récupéré, voilà, tout le monde aura récupéré un nouvel outil, ça sera beaucoup mieux. On sait. Lui, il bosse tout seul dans sa carrière, il doit se faire chier comme un rat mort. Bon. Au moins, ça nous a pas mis en péril sur le reste, donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur la bouffe et tout ça, à part, on n'a pas eu de... Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une crise avec les outils, vous produisez plus suffisamment en rien. Donc, ça veut dire que là, on a quand même un joli petit surplus. Malgré tout, donc... voilà, ça baisse. Ça baisse. Cool. Il faudrait qu'on ait des choses dans notre inventaire, un petit peu, genre des herbes. On va prendre 200 herbes. Tiens, on va prendre les joists aussi. Candles. On va en stocker 200. C'est bien d'avoir des produits transformés qu'on peut échanger. Tomate, on va en stocker 500. Ah, ça remonte. Sérieusement, là. Non, mais... c'est pas possible, hein. Ça rebaisse. C'est un petit peu... Ouais, mais mon stock d'outils fait du yo-yo. Je suis vraiment désolé de jouer un peu comme un pied, là. Eggs, chicken, ouais. Vous voyez, les œufs à 500 œufs. 50 poulets, ça fait 10 œufs par poulet.
Bosser plus vite. Bosser plus vite. Bon, en tout cas, voilà, globalement, ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien pire, on s'en sort pas trop mal. Malgré là, cette crise sans précédent de l'outillage. Il faut tous aller à Leroy Merlin. Qui loue tout, ou presque tout. J'en dis des bêtises, hein. J'en dis des bêtises. Bon. En tout cas, j'espère que ça va se régler assez rapidement. Parce que là, globalement, c'est pas la joie, la joie. Et on a un troisième petit cochon cool. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, ça produit rien. Là, ça produit du lait au moins, mais les cochons, ils produisent absolument rien. Tant qu'on puisse faire un petit du bacon, c'est pas un mal à veille, moi, je vous le dis. On commence à refaire du stock de fer, donc ça, c'est cool. Je vais switcher en Iron Tools. Des outils qui durent un petit peu plus longtemps. J'aimerais bien avoir de la brique. Là, globalement, je suis tellement short en main d'œuvre que c'est même pas la peine d'essayer de faire d'autres productions. C'est normalement, il a tout à proximité, quoi. Donc. Il devrait pouvoir produire à un rythme effréné. Mais là, ça reste bloqué à 50. Autour de la cinquantaine de. Je pense que je vais refaire un autre blacksmith, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la question du fer, c'est la question de la production qui est pas assez rapide. Bah écoutez, on va régler ce problème-là dans le prochain épisode. J'espère que celui-là, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.